Ouais, jour de reprise. Plutôt bien, ça fait du bien un petit peu de retrouver le terrain, les sensations, le ballon. On va bien profiter pendant 4 semaines. Maintenant, voilà, on retourne aux affaires, on retourne au boulot. Et voilà, ça fait du bien de retrouver le groupe, le staff, tout le monde. Je pense que tout le monde est prêt. Maintenant, à nous de nous mettre le plus rapidement au niveau des autres. On était quasiment là, tous là. Donc Yann Anderson et Michael Oldfield qui vont arriver le 27. Voilà, l'introduction a été faite avec une petite séance vidéo qui a rappelé tout le bon travail des 5 premières semaines. Donc les nouveaux ont pu voir ça et voilà, et la demande est pour eux de se mettre au niveau de suite parce qu'il y a eu beaucoup de qualité pendant les 5 premières semaines et on veut pas perdre de temps avec une période de transition par rapport à ceux qui reviennent. Donc oui, physiquement, mais pas collectivement. Ils sont très très bien, ils ont été testés, leur poids de corps et leur masse graisseuse il y a déjà 3 semaines. Et là, ils reviennent encore mieux. Déjà, c'était bien il y a 3 semaines et là, ils reviennent encore mieux. Donc je pense qu'ils sont bien focalisés sur les objectifs qui nous attendent cette saison. C'est toujours un petit peu compliqué quand il y en a qui ont repris le 11 novembre et nous on arrive le 20 décembre. Il y a 5 semaines ou 6 semaines de décalage. Après voilà, nous on a fini la saison un petit peu plus tard, on était obligé d'avoir un petit peu de repos. Maintenant voilà, comme je l'ai dit, il faut se remettre le plus rapidement possible au niveau des autres. Faire quelques extras de plus, peut-être pas aujourd'hui parce que c'est le jour de reprise, mais dans les semaines qui m'ont arrivé, faire toujours un petit peu plus de vidéos, un petit peu plus sur le terrain et après se mettre le plus rapidement à leur niveau. Il y aura une certaine période de transition, mais voilà, déjà on leur a demandé de faire attention dans leur hygiène de vie, dans leur style de vie, ce qu'ils ont fait. On va individualiser les charges d'entraînement, que ce soit en termes de course ou de musculation. Mais après, voilà, ceux qui reviennent sont des joueurs d'expérience qui collectivement connaissent les principes de jeu, le système de jeu. Donc on ne va pas tant perdre de temps que ça. Très peu, il y aura 3 jours à Noël et 3 jours pour le premier de l'an. On a envie de plus perdre de temps. La Coupe du Monde oblige, on a été forcé, je dirais, d'en perdre collectivement. C'était soit ça, soit physiquement, on allait craquer pendant la saison. Donc on a pris l'option de repousser les échéances collectivement. Mais voilà, maintenant, on ne peut plus se permettre de perdre du temps. Donc c'est pour ça que pour les fêtes, il y aura très peu de temps de repos.